Salut Ophélie, j'espère que tu vas bien. J'aimerais parler avec toi aujourd'hui des reverse interviews et que tu me racontes comment tu l'as mise en place chez Mocacare. Salut Inès, merci beaucoup pour l'invitation. Pour parler des reverse interviews et ce qu'on a mis en place chez Moka, en fait, il y avait un constat très fort, aussi porté par Pierre-Étienne et Guillaume, nos deux cofondateurs, qui était que les processus de recrutement sont trop déséquilibrés, avec des entreprises qui évaluent énormément les candidats, mais les candidats qui ont très peu d'opportunités pour évaluer à leur tour les entreprises. Et nous, on veut recruter des personnes exceptionnelles et on sait que ces personnes, elles vont se demander si on est aussi la bonne entreprise à ce moment-là de leur vie. Donc c'est pour ça qu'on a créé le reverse interview, qui est une possibilité offerte aux candidats à qui on fait une offre de nous poser toutes les questions qui leur semblent importantes pour faire leur choix en toute transparence. Top. Et concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Concrètement, en fin de processus de recrutement, donc lorsqu'on a fait une offre à un candidat, on va aussi lui proposer d'échanger une trentaine de minutes, soit avec Pierre-Étienne ou Guillaume ou son futur manager. Donc c'est pas un entretien où on va évaluer la personne parce qu'on lui a déjà fait l'offre. Ce qu'on veut, c'est vraiment lui permettre de poser toutes les questions qui sont importantes pour lui pour prendre sa décision. Donc ça peut être des questions autour de notre politique de BSPCE, de la stratégie de Moka. Après, ça peut être des questions plus pratico-pratiques sur les vacances. On voulait absolument pas que ce soit un entretien d'évaluation pour que la personne se sente à l'aise. Ok, et est-ce que tu as du coup déjà eu des retours de candidats sur cette étape-là et puis surtout comment tu vas le faire évoluer plus vous serez nombreux dans la boîte? On a des très bons retours des candidats qui sont des retours qualitatifs où quand un collaborateur nous rejoint chez Moka, on prend le temps d'échanger avec lui pour avoir un retour sur son processus de recrutement et c'est quelque chose qui est apprécié le reverse interview. Et on a des taux d'acceptation de propositions à 90%. Et comment on va le faire évoluer? En fait, c'est pas quelque chose qu'on souhaite enlever. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Moka, de l'ADN du processus de recrutement. Donc, même en continuant à grossir, on veut le garder et on veut pouvoir le proposer à chacun de nos candidats. En revanche, on est aujourd'hui beaucoup plus dans l'équipe recrutement. Donc, ça nous permet d'équilibrer le processus de recrutement plus tôt, où on va prendre le temps aujourd'hui d'échanger entre chaque étape du processus de recrutement avec le candidat pour lui faire un feedback, le briefer pour la suite et prendre le temps de répondre à ses questions et de savoir de quoi il a besoin comme information pour prendre une décision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas 100% des candidats qui ont besoin des reverse interviews. Il y en a qui nous disent à la fin, en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de rééchanger avec Pierre-Étienne ou Guillaume, mon futur manager, parce que j'ai déjà eu de la visibilité sur tous les sujets qui étaient importants pour moi. Trop bien, super clair. Merci beaucoup Ophélie et puis à bientôt.